L'école de la Poudrière est une école de réalisation de films d'animation qui est basée à Valence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui fête aujourd'hui ses 20 ans au Festival de Clermont. La Poudrière, elle est très particulière à bien des égards, mais d'abord parce qu'elle a été créée à l'initiative d'un réalisateur, Jacques-Rémy Girard. Elle est née de son constat qu'il y avait énormément d'écoles en France dans l'animation, mais pas d'écoles où on pouvait vraiment se spécialiser et apprendre le métier de réalisateur, comment on fait un film. Donc une école très professionnalisante, un cursus de 2 ans avec 9 à 10 étudiants par promotion. Et le nom de l'école a été très vite trouvé, puisqu'au moment où il réfléchissait à ce projet d'école, il y a eu le projet de réhabiliter un site qui s'appelle la Cartoucherie à Bourg-les-Valence, qui est une ancienne cartoucherie nationale. Et donc c'est un lieu magnifique qui a été réhabilité pour le projet d'installation de Folimage, la Poudrière et une troisième structure qui s'appelle l'Équipée. Et l'autre idée forte, c'était que cette école soit accessible, y compris financièrement. Donc elle a été conçue avec un financement très important de l'État et des collectivités. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est un des principaux financeurs depuis l'origine. Ce qui permet aux gens qui viennent faire cette école de ne payer que des frais d'inscription, qui sont de 1 000 euros par an. Et l'autre idée forte, c'était qu'il n'y ait pas de prof. Donc il y a un directeur des études qui conçoit un programme. Et ensuite, c'est apprendre par le faire, avec le compagnonnage de professionnels. La vision qu'on a du métier de réalisateur, elle peut être multiple, mais en tout cas celle qu'on a choisie, c'est le réalisateur, c'est un porteur de projet et c'est quelqu'un qui n'est pas que sur... Évidemment, l'artistique est très fort, mais il a une responsabilité artistique, technique, opérationnelle et aussi une responsabilité vis-à-vis d'un public. Il travaille sur beaucoup d'exercices puis de films et à chaque fois, il y a un cadre. Il y a un cadre par rapport à la durée, le temps de fabrication, de réalisation d'un film. Il y a un cadre par rapport à des thèmes, par rapport à des genres. On ne travaille pas que sur le court-métrage, on travaille sur des formats ultra courts, ils travaillent sur des concepts de série. Donc à chaque fois, on multiplie les contraintes, le cadre, et on leur demande aussi, en plus, d'être conscient de comment le film va se fabriquer. Aujourd'hui, on s'amuse avec des formats courts, des films de 20 secondes, on fait même des films d'une seconde. Ça correspond un petit peu à ce qui peut se faire sur Internet. Donc tout ça, on essaie d'être attentif et d'enrichir le programme. Et en même temps, enfin à la fois, on se dit, nous ce qu'on a envie de leur apprendre, c'est le langage du cinéma. Donc on travaille beaucoup, beaucoup la mise en scène, le détail de la mise en scène. Et ça reste les fondamentaux. Donc c'est l'ouverture à plein de choses, mais le socle, c'est les fondamentaux. Dans le prolongement de cette réflexion, on a travaillé avec la région, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'idée d'une résidence d'accompagnement d'écriture de projets pour la télévision. Donc c'est une résidence qui a été créée l'année dernière. Le principe, c'est ouvert à tous les auteurs francophones qui sont porteurs d'un projet soit de série, soit d'unitaire télé. Et on sélectionne 4 projets par appel à projet. Donc on est en train de mettre en œuvre la deuxième édition. Et ces 4 projets viennent en résidence à la Poudrière pendant 2 fois une semaine, à 1 mois d'intervalle. Et pendant cette semaine, ils bénéficient à la fois d'un diagnostic d'un directeur d'écriture sur leur projet, de l'accompagnement professionnel qui va les aider à redéfinir le concept, donner des axes de travail. Donc c'est vraiment une nouvelle alternative pour aider les gens à développer des projets pour la télévision, à l'initiative de la région. Alors nous, on a 3 films qui sont en compétition jeune public cette année. Qui sont des films de fin d'études de 2018. Donc c'est des films de 3 à 4 minutes. Il y en a un qui s'appelle Bassav, qui parle d'une communauté de ciganes qui fuit différents lieux. Il y a un autre film qui s'appelle Bigoudi, qui fait un portrait assez un peu à la Sampé de personnes en maison de retraite. Le jour où c'est le mercredi, c'est le jour où il y a les coiffeuses qui viennent coiffer les gens, et c'est aussi un peu musical. Et un troisième qui s'appelle La Plongeuse, qui parle d'une nageuse en compétition qui craque un peu avec son entraîneur. Donc c'est pas forcément ce qu'on attendrait de manière classique sur le jeune public, mais c'est très intéressant que ces films-là soient montrés.